Non, non. Non, j'avais pas de rêve, j'avais pas de rêve. J'ai jamais rêvé d'être un grand joueur. Bon, je suis pas un grand joueur pour le... Mais bon. Je m'appelle Yacine Chikaoui, je suis tunisien. Ça fait 7 ans que je suis là. Je vis dans le même quartier, la même maison. Comme il y a des cultures dans les pays, dans une équipe, il y a aussi des traditions. Quand vous arrivez dans un nouveau club, il y a des trucs en place, il y a des traditions qui se font. Que quand vous débarquez dans un nouveau pays, vous restez étranger. Au début, vous êtes étranger. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes étranger. Donc, du moment que vous n'êtes pas chez vous, il faut respecter les gens. Les gens qui étaient avant vous dans ce pays ou dans ce club. Du nach deiner sportlichen Karriere nach Tunesien zurückgehen? Ich weiß nicht. Vielleicht viel Cheftrainer in Zürich. Le truc qui m'a peut-être aidé à être capitaine, c'est que depuis même ma venue, j'étais toujours respecté par tout le monde. Parce que moi, j'ai une règle, je respecte tout le monde et je veux que tout le monde me respecte. J'aime beaucoup ce club qui m'a vraiment soutenu pendant des moments très, très difficiles. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à être capitaine, pour aussi essayer de rendre un peu à ce club ce qu'il m'a donné. Et dans le monde entier, partout où vous allez, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde pour des tas de trucs, mais tu t'assis pour parler avec quelqu'un du foot, là c'est du plaisir, il y a de la joie. Et je pense que le foot aide beaucoup, beaucoup de gens à s'intégrer, en Suisse surtout.